festival africain de Muret nous réserve encore des surprises. Nous sommes avec l'artiste Idi Oulo qui a ouvert le festival hier sur cette belle scène et qui va faire un bœuf tout à l'heure avec Dimi Wahid. Bonjour Idi. Bonjour. Alors Idi, c'est un guitariste chanteur, auteur-compositeur et interprète de ses titres, bien sûr, qui fait de la world music. Qu'est-ce que c'est la world music? Parce que c'est assez vaste comme terme. La world, c'est comme disait tout à l'heure le confrère Jimmy, c'est l'ensemble de toutes les musiques de la terre, en réalité. Tout ce qui est sans, étrange. On peut dire que toutes les musiques sont world, mais c'est la façon de jouer. Et non, ça peut être du jazz ou alors valse, hein? Mais sinon, en réalité, la musique, elle est world. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Il faut rappeler quand même que Idi est un artiste Peul du Cameroun, d'origine. Est-ce que ce côté Peul, justement, le retrouve dans cette musique? En effet, oui, parce que mes chansons, les thèmes sont interprétés en Peul, ma langue d'adoption. En réalité, une fois quelqu'un m'a demandé pourquoi tu te définis comme Peul. Je lui ai dit, je suis Peul, c'est vrai, je suis Fali, ethnie nègre, noire, roots des montagnes du nord du Cameroun. Mais mes grands-parents ont été des Peul. Donc j'ai été adopté dans le Fulani. Donc je parle le Peul, je chante en Peul et je communique en Peul. Donc ça serait une hypocrisie pour moi de ne pas reconnaître mon côté Peul. J'ai la tradition Peul. Donc c'est d'où je me prédéfinis comme Fali, ethnie Fali et Peul. Cela dans votre parcours, puisqu'il y a eu le groupe Fada Kautal qui est quand même connu au Cameroun il y a quelques années, qui a sorti un tube incroyable, et tu étais un membre de ce groupe. Oui, en effet, ouais. J'ai connu les Fada Kautal dès ma sortie du lycée. J'ai intégré les Fada Kautal en 94-95. J'ai remplacé un frère. Fada Kautal, en réalité, c'était le groupe Kautal qui avait signé la BO du film Le Maître des éléphants, avec Patrick Grandpéré, Jacques Dutronc, et ainsi de suite, Steve Chéan, et puis le célèbre clavériste Jean-Philippe Riquiel. Tous ceux, donc, je profite de ça pour leur rendre hommage. Ouais. Je nie Dieu. Je demande à mon Dieu. Pourquoi il y a toujours guerre? Alors de 94 à 2013, nous avons pratiquement 20 ans, dans 19 ans. Quel est le parcours de Idi depuis ce temps? Le chemin. Les dates peuvent paraître courtes, mais le chemin est long. C'était un parcours de combattant, parce que dans ce métier, non, c'est pas évident. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se décourager. Avec la piraterie, sur mes presque 15 ans de carrière professionnelle, je peux dire carrière professionnelle, minimum 15 ans, mais j'ai vécu trois phases. C'est toujours en dents de scie, de la piraterie à la venue de Internet et aussi des problèmes personnels. Et on est confronté à tout. Et non, ouais.
Donc il faut être plus rigide. Ouais. Je fais partie de ce mouvement engagé pour essayer d'éveiller les consciences sur le continent noir et puis dans le monde war partout, la guerre partout, il y en a marre. Voilà, on a collaboré avec ces gens, mais finalement tu te demandes qu'est-ce que tu fais avec eux parce qu'on a l'impression qu'ils sont sourds. Donc le single, comparativement au précédent, qui était né gros et beau, né comme naissance, gros comme grosseur et beau, qui était une sorte d'humour, you know, par rapport aux clichés que j'ai vécu en France et que j'ai découvert. C'est ce genre de manipulation qui est entre peuples arabes et nègres et africains. You know. J'avais déclaré, donc j'avais fait sortir ça, via Negro Ebo. Mais cette fois-ci, je vais sortir un single qui va s'intituler Orphelin de guerre. Orphelin de guerre, voilà. Pour dénoncer toujours ces kalachnikovs et ces bombes qu'on vend dans le monde entier. Ouais, voilà. Alors, Idi, tout à l'heure, il y aura un bœuf avec Jimmy. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous allez faire? Franchement, je suis surpris. Oui. Jimmy, je suis surpris. Je monte les escaliers. Oui. Ce monsieur, si humble, je suis remonté. Il n'avait pas de difficultés. Mais voilà, je suis passé. On m'a dit, ah tiens, mais je ne l'avais pas vu. Je l'ai salué. Un organisateur m'a dit, et le monsieur m'a applaudi, m'a embrassé, m'a dit, ah mon frère, je vais chanter tout à l'heure. J'ai dit, je m'appelle Idi, bah, par rapport à lui, c'est un grand frère. T'as vu les parcours qu'il a fait, c'est vrai dans le monde artistique, quand on est tenace, on recroise les mêmes gens en fait. Le paradis est un en fait. Au paradis, tout le monde là, on va se retrouver. Tant que tu as semé le bon grain, tu le récoltes. Et puis il m'a dit, non mais il faut que tu chantes avec moi tout à l'heure. J'ai dit, youpi. On va casser la baraque là. Eh ouais. On va rendre les hommages aux esprits. Bob Marley, Alpha Blondy, ainsi de suite. Est-ce que je dois comprendre, Udi, que ça fait partie de tes références musicales? Oui, sur le plan engagé. Mais quand on parle de Bob, Alpha, il y a Ali Farka Touré, pour moi c'est un autre aussi, un autre, voilà, c'est pas ces chanteurs qui ont changé, ceux qui portaient des plumes hier et sont redevenus, se sont transformés en députés ou en ministres dans leur pays respectif. La musique n'est pas un endroit de business, on dénonce, tu es un musicien, on t'a envoyé, éveillé les consciences et comment on dit en français? Et tu l'assumes. La musique n'est pas un chemin pour trouver la route pour aller encombrer la politique. La politique aux politiciens, la musique aux musiciens. Voilà. Et non, y'a pas. Ok, super. Merci beaucoup, Idi. Et puis, on se retrouve tout à l'heure sur scène. Avec grand plaisir. Merci à Jimmy aussi. Voilà. Ouais. Merci. C'est beau la chaleur et la fraternité dans ce monde, j'adore. Donc suivez l'actualité de ces artistes, nougettv.com bien entendu, et puis idi.com. Nous continuons le festival et puis bien entendu nous retrouvons nos artistes sur scène.